C'est ça qui est long. Les gars, affaire de Francis Ngannou là. Moi-même, je suis assis à lui, devenu boxeur. Ils n'ont qu'à me taper. Ou bien, 6 minutes, 11 milliards. Frappez-moi. Frappez-moi. Jika, il n'est qu'à prendre des baies. Il n'est qu'à me varier. On n'est qu'à me varier, mais ce n'est pas grave. Il va me relever. 6 minutes, 11 milliards. Oh, Francis Ngannou, tu es un enfant béni. Je vois des gens qui se moquent, mais pourquoi il est parti? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, les gars, 11 milliards, c'est-à-dire 20 millions de dollars. Ça, c'est pas ce que tu gagnes. On dit, rien que pour venir combattre là, tu as 20 millions de dollars. Voici le contrat qui a été signé pour Francis Ngannou. C'est-à-dire, qu'il gagne ou qu'il perde, il a ses 20 millions de dollars. Maintenant, il y a à répondre à ceux qui sont en train de rire, se moquer au tabon. Il a eu Usain Bolt, le plus grand athlète du monde. C'est un grand athlète. C'est le sprinteur, l'homme des records du monde. Il a voulu se reconvertir en footballeur. Où est sa carrière? T'as dit, c'est même pas un club comme Manchester United qui l'a pris. On dit Francis Ngannou fait MMA. C'est comme un joueur de basket qui dit qu'il va aller jouer au football. Pour être footballeur là, tu commences depuis l'âge de combien? Daniel? Ah, l'âge de 12 ans. 12 ans, je vois même 8 ans, tu as fait de football. Ouais. Tu vis football, tu manges football. Celui contre qui Francis Ngannou a combattu là, il s'appelle Joshua Anthony. Il est dans la boxe depuis l'âge de 10 ans. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui vit, qui respire boxe. Ils ont étudié la boxe de toute leur vie. Francis Ngannou n'a pas étudié la boxe. C'était un ramasseur de sable au niveau du Cameroun. Mais comme il connaît Naga, il sait se battre. C'est un guerrier plein. Il dit, ok, il allait faire MMA. Mais dans MMA, au moins, il y a un peu de lutte, il y a un peu de boxe, il y a un peu de Naga, il y a un peu d'attachement. Il est tombé dedans. Il a frappé tout le monde. Il est devenu champion du monde. Toutes catégories confondues. Il est le seul Africain qui dit que lui quitte l'UFC. Tout le monde dit non, il dit tant qu'on ne change pas les contrats, on ne change pas les manières, lui quitte, il quitte. Il va signer un autre contrat. Dans l'autre contrat où il va signer, il a encore plus d'avantages en devenant le représentant Afrique. Ça encore c'est petit. Tout dernièrement, le MMA a été lancé en Côte d'Ivoire. C'est Francis Ngannou qui était présent. Grâce à Francis Ngannou, MMA est en Côte d'Ivoire. Il regarde le mouvement, on dit boxe anglaise là. Là-bas, pour 6 minutes seulement, tu peux faire PA. Ouais. Vrai PA. 15, on dit 11 millions, 11 milliards de francs CFA. Francis Ngannou dit, s'il veut, on n'a qu'à me tuer. S'il veut, là. Je tape les gens pour vivre. Ça, c'est dans MMA. Mais là-bas, là, tapez-moi pour vivre. Francis est allé s'asseoir là-bas. Premier combat contre Tyson Fury. Francis Ngannou le met tapé, le met à terre. Le champion du monde. Francis Ngannou a mis à terre le champion du monde. Joshua là n'est pas le champion du monde. Ça, on dit ça, ça fait un. Dès lui qui n'était même pas dans la discipline, mm-hmm. il est devenu le 10e meilleur boxeur du monde. En un seul combat. On le met dans le système. On dit, bon, champion, on va lever le niveau. Est-ce que tu es au combat avec Joshua? Il dit, moi voilà, il a 100 Nigériens en lui. Ça, c'est mon frère africain. Là où vous voulez m'amener, c'est pas, si c'est blanc, je peux le taper. Mais là où vous m'amenez dans le mouvement de mon frère noir, là, pardonnez, laissez-moi où je suis ici. Il dit, laissez-moi où je suis ici. Donc, le gars, il est assis doucement, doucement, dans son mouvement. On dit, bon, Francis, il dit quoi? On dit, c'est 11 milliards. Il dit, je tape les gens pour vivre, mais aujourd'hui, là, tapez-moi pour que je vive. Francis est allé. Deuxième round, il a pris des baies. Mais quand je regarde la courbe, champion du mouvement. C'est-à-dire Francis est KO, mais quand tu regardes son visage, il n'est pas triste. Il n'est pas triste. Joshua a gagné. Quand tu regardes son visage, il n'est pas trop content. Je me pose la question qu'il a fait de boxeur. Il y a eu quel deal, quel marmaille qui s'est fait en Francis. En bon Camerounais. Le schéma. Le schéma. C'est pas sa discipline. Là-bas, il ne peut pas faire carrière pour dire qu'il est champion du monde. Non. Sa discipline, c'est MMA. Oh, là, déjà, il est dixième. Là-bas, là-bas, l'autre côté, il est dixième. L'autre côté, il est numéro un. Il allait me casser la tête d'un mouvement par rapport à quoi? Donnez mon jeton et quitter ici. Maman au Cameroun, elle souffre. Je me fais MMA. Quand il y a tout gain, c'est 500 000 euros.
ça ne peut pas changer son destin. Là, je viens d'avoir 11 milliards. Je vais aller consommer 11 immeubles. Parce que l'immeuble de, comment on appelle ça, Vegevino, il paraît que c'est avec 1 milliard qu'il a conçu ça. Hein. 11 immeubles. Appartements meublés. Même si tu prends, prenez un exemple, que tu loues même les appartements à 1 million par mois. Par mois. Un immeuble, il y a 30 appartements, ça fait 30 millions. Multiplié par 10 immeubles, ça fait 300 millions par mois. 300 millions de francs CFA. Les gars, j'ai 45 ans. Il n'y a pas un combat qu'on peut m'offrir là-bas. À Riyad, en Arabie Saoudite, il y a encore aussi Cristiano Ronaldo. On dit le plus grand influenceur de la FIFA va porter les gants. Car il dit, il n'y a pas quelqu'un qui veut qu'on fasse un petit combat. Même 2 milliards. Je suis prêt. 2 milliards. Je lance des filles à qui? Fly, moi, mes heures. Fly, moi, mes heures. Fly, moi, mes heures. I am General Kami Makoso. Je vais te KO. Organiser le match. Le général face à Fly, moi, mes heures. Je veux 2 milliards seulement. 2. Pas beaucoup. 2 milliards. Passe. Il va me taper. Mais il finit de me taper. Puis je suis content. Il te frappe et puis tu es content. Oh non, ils l'ont frappé. Il est tombé comme ça de piment. Il peut acheter ton village et tous les habitants de ton village. Et les gens sont fâchés. Donc tu as mal. On dit ton frère africain vient d'encaisser 11 milliards. Maudit que tu sois là et dit gloire à Dieu pour sa vie. Un salopard, même moro, tu ne vas jamais gagner dans ta vie. Toi tu parles. Nous on roule au moins dans Range Rover. Voilà, nous on roule dans Range Rover au moins. Mm-hmm. On n'a pas million, c'est pour un bel million. Mais au moins, là, par rapport à toi, là, on est trop devant. Jusqu'à ta mort, tu ne pourras jamais être à notre niveau. C'est de ça qu'il s'agit. Mais je suis fier de Francis. C'est sanguin camerounais. Ramasseur de sable. Bosailleur. Quelqu'un qui est rentré en Europe par la nage, c'est-à-dire par l'eau. Aujourd'hui, là, il joue dans la cour des cœurs. Vous ne pouvez pas prendre exemple sur lui. Banque des gris maudits. Là. Il était divin de devenir milliardaire. Vous n'êtes pas honteux. Il y a dit. Tous ceux qui ont suivi cette vidéo-là, je prie que Dieu vous élève dans votre vie, comme il a élevé Francis Ngannou. C'est ma prière que je fais pour votre vie. Que Dieu vous positionne à une dimension et à un niveau incroyable. Tous ceux qui ont vu la vidéo, envoyez-moi en 2024, ou bien écrivez-moi sur mon WhatsApp, dis général, je veux mon cadeau. C'est le 00337-65-28-15-01. Écrivez-moi maintenant. Que Dieu vous bénisse. On est ensemble. Maintenant, je rappelle, hein, tous ceux qui sont au Congo, je tiens à vous rappeler que j'arrive au Congo en mai pour le grand concert du pasteur Moïse Imbié. Il a décidé de prendre le stade de Mathémati. C'est-à-dire, j'ai fait comme une révélation, une vision où j'ai vu que Dieu allait l'utiliser de façon extraordinaire dans la libération du Congo. Ce concert qui aura lieu au Congo, à Kinshasa, au stade de Mati, tout Congolais qui va rater cet événement, moi j'estime que c'est un Congolais qui n'est pas Congolais. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est le conseil du peuple. Kami Makoso arrive au Congo spécialement pour ce concert-là. Pourquoi? Parce que Dieu m'a dit, le temps de la libération du Congo est arrivé. Goma, tous les Congolais, on se retrouve au stade de Mati. Ça va péter, on est ensemble. Tokos.